Je suis responsable du bar Les Pioles à Belleville. Les Pioles, c'est un lieu de vie. On voulait pas seulement faire une auberge de jeunesse, on voulait faire un lieu agréable, design, et on pouvait pas l'imaginer ailleurs qu'à Belleville. Belleville, c'est la mixité culturelle, il y a tout, il y a toutes les communautés se rencontrent, les commerces partout, il y a des gens partout. Pour moi, c'est Paris, en fait, en concentré. J'ai 55 ans, je suis commandant de bateaux de passagers depuis une dizaine d'années sur Paris en événementiel. Quand on arrive sur Paris avec sur la Seine, le premier flash qu'on a sur Paris, c'est le parc Citroën avec sa verdure. Le parc de Citroën est vraiment unique parce qu'il y a des géométries qui se mélangent entre le gris et le vert qui fait vraiment la différence quand on se promène dans le parc, qui est vachement beau à voir et à regarder. Je m'appelle David Tooze, je suis franco-britannique, j'ai 43 ans et je suis artiste peintre. Mon martre, c'est surtout les toits, avec leur richesse de tons et leurs couleurs. Les toits, c'est aussi l'apparition du ciel. J'habite à Pigalle depuis 33 ans. Quand je suis arrivée dans le quartier, je suis arrivée pour un an. Et ben, en 2020, je suis toujours là. Pigalle, ça bouge tout le temps, mais la seule chose qui ne bouge pas, c'est les néons. Les néons, ils sont avec moi partout. J'ai les néons dans la tête. C'est les lumières, c'est la vie, c'est... Tout bouge, quoi. Francis Bonneau, adjoint de direction de Mago depuis 4 ans, sachant que je suis un transfuge d'un voisin à côté, là, et ça fait 20 ans que je suis à Saint-Germain-des-Prés. Dans les habitués, il y a des habitués, toujours telle heure, telle table, les petits journaux, ça c'est un peu le luxe. On s'aperçoit que dans chaque belle affaire, chacun a ses chaises en rotin et a son image avec ses coloris. Donc ça c'est typique du café, c'est un peu l'image du café. Hein.